Les éditions ADA vous présentent une méditation du Dr Wayne W. Dyer. Entrez au cœur du silence. Avertissement. Ce CD comprend des exercices de méditation et de visualisation. Il est fortement déconseillé de conduire tout véhicule ou d'utiliser de la machinerie lourde durant son écoute. Il est dit que c'est l'espace entre les barreaux qui empêche le tigre de s'échapper et que c'est le silence entre les notes qui produit la musique. Tout est créé à partir du silence, du cœur du silence, de cet espace entre nos pensées, y compris notre propre bonheur. Si nous souhaitons pénétrer au cœur du silence, ce n'est pas tant pour éprouver un sentiment de calme, que bien sûr nous éprouvons, ni pour nous reposer. Même si quelques moments passés au cœur du silence valent une bonne nuit de sommeil. Et ce n'est pas non plus pour nous sentir plus jeunes, même si nous en ressortons rajeunis. Si nous désirons pénétrer fréquemment au cœur du silence, dans cet espace entre nos pensées, c'est pour entrer consciemment en contact avec Dieu. En entrant consciemment en contact avec Dieu, vous en viendrez à connaître la force de cette source et à l'utiliser pour attirer dans votre vie tout ce que vous désirez. Il n'y a qu'une seule force, qu'une seule puissance indivisible. Dans le monde physique, seule l'expérience du silence, de ce que j'appelle le cœur du silence, nous donne accès à cette force indivisible. Tout le reste est division. Bien, mal, haut, bas, mâle, femelle, et même vie, mort. Mais le silence demeure toujours semblable à lui-même. Au cœur du silence, vous entrez consciemment en contact avec la force, source de votre pouvoir, de toutes vos joies et de tous vos accomplissements. Le cœur du silence est l'espace entre vos pensées. Le flot incessant de pensées involontaires et compulsives nous traversant l'esprit au cours d'une journée rend difficile l'accès au cœur du silence. Nous aurions en moyenne 60 000 pensées par jour. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes. Notre esprit est un lieu où règne le bruit, rarement le silence. Si vous réduisiez le nombre de ces pensées à 20 000, il y aurait beaucoup plus d'espace entre celles-ci. Puis à 6 000, ces espaces seraient encore plus nombreux. Et si, finalement, vous n'en aviez qu'une centaine par jour, ces espaces seraient très, très nombreux. Ce que nous cherchons ici, c'est à réduire le nombre de nos pensées afin d'élargir ces espaces et d'y pénétrer plus facilement. Il est très difficile d'entrer dans cet espace ou de prendre consciemment contact avec Dieu
en raison de l'agitation qui règne dans notre esprit, car nous sommes préoccupés par notre ego et toutes les choses qui nous séparent de notre source, de Dieu. Avec ce CD, je vous offre une façon simple de vous glisser dans cet espace, au cœur du silence, et l'occasion de mettre en pratique une technique appelée japa, qui s'enseigne depuis plus de 2 millénaires. Le japa est la répétition du son ou du nom de Dieu, un son magique qui est virtuellement le même dans toutes les langues et toutes les cultures. Que l'on pense à Allah, Krishna, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Ra ou Kali Durga, tous ces noms contiennent le même son. Si vous ouvrez le Nouveau Testament à l'Évangile de Jean, vous verrez qu'il débute par ces mots. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Grand maître m'a un jour enseigné que pour se débarrasser de nos problèmes, des soucis qui encombrent notre esprit, il faut penser à Dieu plutôt qu'à ce qui nous préoccupe. Sur ce CD, je vais vous demander non seulement de penser à Dieu, mais aussi de répéter le son de Dieu pendant que vous êtes au cœur du silence, dans cet espace entre vos pensées. Mieux encore, si vous répétez ce son, le son A, votre méditation nourrira non seulement votre âme, mais vous permettra également de manifester et d'attirer dans votre vie pratiquement tout ce que vous désirez. Entrer au cœur du silence ne vous posera plus de difficultés. Grâce au japa et à mes instructions, vous pourrez entrer facilement dans l'espace silencieux qui sépare vos pensées. Vous trouverez sur ce CD 2 versions de cette technique pour entrer au cœur du silence. Je vous suggère de débuter par la première. D'une durée d'environ 10 minutes, elle vous permettra de faire l'expérience de ce que j'entends par « entrer au cœur du silence ». La 2e version, d'une durée de 20 minutes, vous permettra de passer beaucoup plus de temps au cœur du silence. Quand vous aurez pris l'habitude de pratiquer régulièrement cette méditation, vous voudrez passer le moins de temps possible sur les mots pour demeurer dans cet espace précieux et merveilleux où vous entrez consciemment en contact avec Dieu. J'ai développé cette technique pour entrer au cœur du silence parce que j'ai eu moi aussi, à une certaine époque, de la difficulté à pénétrer dans cet espace de silence entre mes pensées, où la création devient possible, où il nous est permis d'entrer consciemment en contact avec Dieu. Ce que je vous demande de faire, c'est de penser au premier mot de la prière la plus connue du monde occidental, le Notre Père. Les premiers mots de cette prière sont pour que vous vous exerciez à entrer au cœur du silence lorsque vous les voyez apparaître sur l'écran de votre esprit. Une fois au cœur du silence,
je vous demanderai de répéter le mantra du nom de Dieu ou du son A, de vous concentrer sur le lien qui vous unit à votre source et de chasser les pensées qui pénétreront dans votre esprit. Ces pensées sont en fait l'œuvre de votre ego qui cherche à vous convaincre que cela ne peut pas fonctionner. Mais il se trompe. Le cœur du silence est une image mentale à laquelle vous pouvez tous accéder avec de la pratique. Commençons. Plage 1. J'aimerais d'abord que vous vous installiez confortablement, les yeux fermés, dans une position agréable, que ce soit étendu sur le dos, en position de yoga ou assis dans votre fauteuil préféré. Les mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le haut. Votre index et votre pouce devraient à peine se toucher de façon à établir un circuit imaginaire entre les mots, les sons que vous entendez ici et votre cœur. Je vais à présent vous demander de porter toute votre attention sur le mot « notre ». N-O-T-R-E. Portez votre attention sur le mot « notre » et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit. À présent, j'aimerais que vous déplaciez votre attention du mot « notre » vers le mot « Père ». Voyez le mot « Père » apparaître devant vous. Glissez-vous à présent dans l'espace entre ces deux mots. Retournez dans l'espace qui sépare les mots « notre » et « Père ». Reposez-vous dans cet espace. J'aimerais à présent que vous répétiez le son de Dieu, le son A, le Japa. Quand vous vous trouvez au cœur du silence, dites si une pensée vous traverse l'esprit, retournez au son A. Demeurez dans le silence entre notre et Père. À présent, déplacez à nouveau votre attention vers le mot Père et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit. Avancez maintenant jusqu'au mot « qui » et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit, puis glissez-vous aussitôt dans l'espace qui sépare les mots « père » et « qui ». Portez toute votre attention sur cet espace et sur rien d'autre. Nous allons à présent faire le japa du son A. A.
voyez à présent clignoter devant vous, sur l'écran de votre esprit, le mot QI. Q-U-I. Portez toute votre attention sur le mot QI. Maintenant, avancez vers le mot être. Portez toute votre attention sur le mot être, puis glissez-vous aussitôt dans l'espace entre les mots qui et être. Demeurez dans cet espace où aucune pensée ne peut pénétrer. Sentez la légèreté de ce silence. Présent le japa. Voyez maintenant apparaître sur l'écran de votre esprit le mot « être ». Portez toute votre attention sur ce mot, puis passez au mot « O » « A-U-X ». Voyez ce mot clignoter sur l'écran de votre esprit. Glissez-vous à présent dans l'espace entre « être » et « O » et demeurez-y en silence. Présent, le japa dans l'espace entre vos pensées. Passez ensuite au mot « O » sur l'écran de votre esprit, puis avancez jusqu'à ce que vous voyez le mot « cieux » apparaître. C-I-E-U-X. À présent, reculez et glissez-vous dans l'espace entre ces deux mots dans votre esprit, entre « O » et « cieux », et demeurez à cet endroit où vous ne permettez à aucune pensée de pénétrer. Présent le japa pendant que vous demeurez au cœur du silence, dans l'espace entre vos pensées. Placez à présent vos pensées, votre énergie, vers le mot « cieux » et voyez-le clignoter sur l'écran de votre esprit, puis avancez jusqu'au mot « que » et voyez-le apparaître devant vous. À présent, encore plus rapidement que tout à l'heure, reculez dans l'espace entre les mots « cieux » et « que » et portez toute votre attention uniquement sur l'espace entre ces deux mots, sur le silence qui les sépare. Répétez à présent le son du nom de Dieu. Déplacez à présent vos pensées vers le mot « que » sur l'écran de votre esprit, puis avancez rapidement jusqu'au mot « votre ». Que, votre, puis glissez-vous instantanément dans l'espace entre « que » et « votre »
en plaçant toute votre énergie et toute votre concentration uniquement sur l'espace entre ces deux mots. Vous êtes à présent au cœur du silence. Et maintenant, le japa dans l'espace qui sépare ces deux mots. Présent. Portez rapidement votre attention sur le mot NOM, N-O-M, puis avancez rapidement jusqu'au mot SOI et retournez instantanément dans l'espace qui sépare ces deux mots pour retourner au cœur du silence entre ces mots, entre NOM et SOI. Demeurez dans cet espace de silence un peu plus longtemps chaque fois. Nous allons à présent pratiquer le japa tandis que nous sommes au cœur du silence. Nous allons entrer consciemment en contact avec Dieu en répétant le son du nom de Dieu. À présent le silence pour passer instantanément au mot « soi », puis sans tarder au mot « sanctifier ». Retournez à présent dans l'espace entre « soi » et « sanctifier » et demeurez dans cet espace qui nourrit votre âme pendant que vous êtes consciemment en contact avec Dieu, au cœur du silence. Pratiquez à présent le japa au cœur du silence, entre soi et sanctifié. En méditant sur les premiers mots du Notre Père, vous avez complété votre voyage au cœur du silence, cet espace qui sépare vos pensées. En répétant le son « A », vous avez accédé à la présence de cette divine énergie. Le « A » est le seul son que nous puissions produire sans effort. Pour ce faire, vous devez déplacer soit vos dents, votre langue, vos lèvres ou votre mâchoire et expirer. Mais si vous préférez, vous pouvez simplement ouvrir la bouche et faire A. Vous pouvez, à n'importe quel moment, vous exercer à reproduire le son A avec une perfection qui n'exige aucun effort quand vous êtes au cœur du silence. Ah.
Cette technique permet à mon esprit de chasser toutes les pensées qui cherchent à s'immiscer en lui. Elle me permet de faire l'expérience du bonheur, de la joie, du contentement et d'un contact conscient avec Dieu, en laissant mes pensées de côté et en entrant dans l'espace qui sépare ces pensées, lieu d'origine de toute création. Page 2, version longue. J'aimerais d'abord que vous vous installiez confortablement, les yeux fermés, dans une position agréable, que ce soit étendu sur le dos, en position de yoga ou assis dans votre fauteuil préféré, les mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le haut. Votre index et votre pouce devraient à peine se toucher, de façon à établir un circuit imaginaire entre les mots, les sons que vous entendez ici et votre cœur.
à présent vous demander de porter toute votre attention sur le mot « notre ». N-O-T-R-E. Portez votre attention sur le mot « notre » et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit. À présent, j'aimerais que vous déplaciez votre attention du mot « notre » vers le mot « père ». Voyez le mot « père » apparaître devant vous. Glissez-vous à présent dans l'espace entre ces deux mots. Retournez dans l'espace qui sépare les mots « notre » et « père ». Reposez-vous dans cet espace. J'aimerais à présent que vous répétiez le son de Dieu, le son A, le Japa. Quand vous vous trouvez au cœur du silence, dites si une pensée vous traverse l'esprit, retournez au son A. Demeurez dans le silence entre notre et père. À présent, déplacez à nouveau votre attention vers le mot « père » et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit. Avancez maintenant jusqu'au mot « qui » et voyez-le apparaître sur l'écran de votre esprit, puis glissez-vous aussitôt dans l'espace qui sépare les mots « père » et « qui ». Portez toute votre attention sur cet espace et sur rien d'autre. Nous allons à présent faire le japa du son A. Voyez à présent clignoter devant vous, sur l'écran de votre esprit, le mot « qui » Q-U-I. Portez toute votre attention sur le mot « qui ».
maintenant avancer vers le mot « être ». Portez toute votre attention sur le mot « être », puis glissez-vous aussitôt dans l'espace entre les mots « qui » et « être ». Demeurez dans cet espace où aucune pensée ne peut pénétrer. Sentez la légèreté de ce silence. Et à présent, le japa. Voyez maintenant apparaître sur l'écran de votre esprit le mot « être ». Portez toute votre attention sur ce mot, puis passez au mot « O », A-U-X. Voyez ce mot clignoter sur l'écran de votre esprit. Glissez-vous à présent dans l'espace entre « être » et « eau » et demeurez-y en silence. Présent, le japa dans l'espace entre vos pensées. Passez ensuite au mot « O » sur l'écran de votre esprit, puis avancez jusqu'à ce que vous voyez le mot « cieux » apparaître. C-I-E-U-X. À présent, reculez et glissez-vous dans l'espace entre ces deux mots dans votre esprit, haut et cieux, et demeurez à cet endroit où vous ne permettez à aucune pensée de pénétrer.
présent le japa pendant que vous demeurez au cœur du silence, dans l'espace entre vos pensées. Déplacez à présent vos pensées, votre énergie, vers le mot « cieux » et voyez-le clignoter sur l'écran de votre esprit, puis avancez jusqu'au mot « que » et voyez-le apparaître devant vous. À présent, encore plus rapidement que tout à l'heure, reculez dans l'espace entre les mots « cieux » et « que » et portez toute votre attention uniquement sur l'espace entre ces deux mots, sur le silence qui les sépare. Répétez à présent le son du nom de Dieu. Déplacez à présent vos pensées vers le mot « que » sur l'écran de votre esprit, puis avancez rapidement jusqu'au mot « votre ». Que, votre, puis glissez-vous instantanément dans l'espace entre « que » et « votre » en plaçant toute votre énergie et toute votre concentration uniquement sur l'espace entre ces deux mots. Vous êtes à présent au cœur du silence. Et maintenant, le japa dans l'espace qui sépare ces deux mots.
présent, portez rapidement votre attention sur le mot « nom », N-O-M. Puis, avancez rapidement jusqu'au mot « soi » et retournez instantanément dans l'espace qui sépare ces deux mots pour retourner au cœur du silence entre ces mots, entre « nom » et « soi ». Demeurez dans cet espace de silence un peu plus longtemps chaque fois. Nous allons à présent pratiquer le japa tandis que nous sommes au cœur du silence. Nous allons entrer consciemment en contact avec Dieu en répétant le son du nom de Dieu. À présent le silence pour passer instantanément au mot « soi », puis sans tarder au mot « sanctifié ». Retournez à présent dans l'espace entre « soi » et « sanctifié » et demeurez dans cet espace qui nourrit votre âme pendant que vous êtes consciemment en contact avec Dieu. Au cœur du silence. À présent le japa au cœur du silence entre soi et sanctifié.
méditant sur les premiers mots du Notre Père, vous avez complété votre voyage au cœur du silence, cet espace qui sépare vos pensées. En répétant le son A, vous avez accédé à la présence de cette divine énergie. Le A est le seul son que nous puissions produire sans effort. Pour ce faire, vous devez déplacer soit vos dents, votre langue, vos lèvres ou votre mâchoire et expirer. Mais si vous préférez, vous pouvez simplement ouvrir la bouche et faire A. Vous pouvez, à n'importe quel moment, vous exercer à reproduire le son A avec une perfection qui n'exige aucun effort quand vous êtes au cœur du silence. Cette technique permet à mon esprit de chasser toutes les pensées qui cherchent à s'immiscer en lui. Elle me permet de faire l'expérience du bonheur, de la joie, du contentement et d'un contact conscient avec Dieu, en laissant mes pensées de côté et en entrant dans l'espace qui sépare ces pensées, lieu d'origine de toute création. Au sujet de l'auteur. Le Dr. Wayne W. Dyer est un auteur et un conférencier de renommée internationale dans le domaine du développement personnel. Il est l'auteur de nombreux best-sellers, CD et vidéos, en plus d'avoir participé à des milliers d'émissions de télévision et de radio telles que The Today Show, The Tonight Show et The Oprah Winfrey Show. Site internet www.drwendyer.com. Les éditions ADA vous ont présenté une méditation du Dr. Wayne W. Dyer, Entrée au cœur du silence. À la narration Vincent Davy. Adaptation et révision Cécile Roland. Enregistrement, musique et réalisation Louis Lachance.